Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que tu veux une maison au paradis? Ah bah bien sûr que tu veux une maison au paradis. Attention, pas la maison de tes rêves, celle que tu imagines, mais une maison donnée par Allah. Parce que Allah, il a une science qui dépasse la tienne. Allah, il est capable de créer des choses que même ton imaginaire, ta pensée n'est pas capable de concevoir. Donc Allah, il peut te donner une maison que toi, tu peux pas imaginer un truc. Ça va être la surprise, yawm al-qiyama. Tu vas être là, oh paradis, waouh, c'est quoi ça? Eh ben, est-ce que tu veux une maison comme ça? Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la solution? C'est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Dieu offre une demeure au paradis. Inch'Allah, qu'Allah nous offre une demeure à quiconque se rend à la mosquée le matin ou le soir. Ah, c'est difficile. La prière du soubh à la mosquée, c'est dur. Et le soir aussi à l'Isha. Et donc, il faut mériter cette maison. Toi, tu dis, c'est facile. Non, bah va faire la prière à la mosquée le matin et le soir et tu verras. Salam alaikum.